Mardi 10 juillet, la France et la Belgique se sont affrontées pour une place en finale. Au bout d'une heure et demie de match, c'est l'équipe de France qui a remporté cette dure bataille, 1-0. Un match important dans lequel se faisaient face deux anciens champions du monde 98. En effet, Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus, s'est retrouvé en compétition avec son ancien partenaire Thierry Henry, devenu entraîneur adjoint des Diables Rouges. Si Thierry Henry s'est montré fair-play suite à la défaite de son équipe, on peut pas en dire autant de son père. Antoine Tony Henry n'a ainsi pas mâché ses mots sur l'équipe de France. Répondant aux questions de son ami, le père de l'ancien champion du monde, n'a pas épargné le sélectionneur français. Quelle équipe a mis le plus de buts en Coupe du Monde? Ce n'est pas la France. Deschamps va jouer en contre. On est une machine de guerre et on ne va jouer que le contre. Arrête ton cinéma. Il ne s'est pas arrêté là. Antoine Henry a eu la critique facile sur le jeu des Bleus depuis leur arrivée au Mondial. Les trois matchs du premier tour, la France passe mais je n'ai rien vu. Moi j'aime le beau football, ils sont passés mais bon. Si beaucoup comparent Kylian Mbappé à son fils, il y en a un qui n'est pas d'accord et le fait ainsi savoir. Moi j'aimerais que Mbappé fasse la moitié de la carrière de Thierry Henry. Il aurait réussi sa carrière. Mbappé il a fait Clairefontaine, il a des stats là-bas. Allez les voir. Mais monsieur Clairefontaine, c'est Thierry Henry. Les boss là-bas, c'est Henry et Anelka.